Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Dans tel pays d'Haïti, c'est moun nan région qui plus fait demande pour joindre estati réfugié dans pays Mexique d'après commission mexicaine pour aider réfugiés au coma dans langue espagnole. Entre mardi 2 d'août pour arriver mardi 26 d'août 2022, université l'état d'Haïti a recevoir inscription pour année universitaire 2022-2023 pour toute étudiante et étudiant qui voulait entrer dans faculté avec l'école supérieure LIO, faculté droit Gonaïve la, pas sous liste faculté avec l'école supérieure qui concernait dans l'opération inscription SAYO. Mercredi 3 d'août 2022 a fait 18 jours depuis journaliste Alter Press Edner Dessim dans mes ravisseurs qui était d'appui en pli depuis 17 juillet passé à Nandelma. Mercredi 3 d'août 2022 a bandi à examen la 5 employés GESCO yo te kidnappé mardi 2 d'août 2022 à l'air yo tap kite travail yo. Sans le pas dire qui décision li prend, la police nationale dit toute responsable yo te chita parler lundi 1er d'août 2022 sous climat latéré gang examen absimaye sous territoire national là. Mardi 2 d'août 2022 la police nationale fait qu'on est li rivé saisi yon fizi M14 yon chargeur ak 19 cartouches dans zone Cité Doudoun dans commune Kouadebouquet. Ministère justice et sécurité publique dénoncé sa rele yon campagne qui tave les sales noms ministre de facto Toa, Berto Dorsey, Nansa qui arrivera avec chargement ZAM à Katouche, la police avec la douane te saisi vendredi 1er juillet 2022 dans Port-de-Paix, département nord-ouest pays d'Haïti. Ministère Kilt qui en charge des affaires l'église dans pays d'Haïti, mandé l'église catholique anglicane et épiscopale pays d'Haïti permettre yon employé France Cole à répondre question bureau aux affaires finances et économie qui dans direction centrale la police cap travail pour la justice la DCPJ. Dossier ça concerné un chargement Zamakbal sous nom l'église catholique anglicane épiscopale pays d'Haïti, la douane t'est découvert mercredi 13 juillet 2022 sous WAF Port-au-Prince. Après Nenel Kassi déclaré accord 11 septembre 2021 pas existé encore, une autre branche dans secteur démocratique et populaire SDP qui dans alliance avec gouvernement Ariel Henry fait qu'on est l'irrité Marconnet à accord 11 septembre 2021 Ariel Henry. Dans chapitre migration natif natal pays d'Haïti, c'est mon dans région qui plus fait demande pour jeunes estati réfugiés dans le pays Mexique d'après commission mexicaine pour aider réfugiés au coma dans langue espagnole. Comme dit, il recevoir 44 780 demandes reconnaissance estati réfugiés pour Tapachula qui c'est une ville dans l'état Chiapas dans le pays Mexique pour mois juillet. Parmi demandeurs haïtiens classé en troisième position avec 9 299 demandes derrière Honduras à Cuba. Dans le chapitre l'éducation entre mardi 2 d'août pour arriver mardi 26 d'août 2022, Université l'État d'Haïti a recevoir inscription pour année universitaire 2022-2023 pour toute étudiante et étudiant qui voulait entrer dans la faculté avec l'école supérieure LIO, faculté droit Gonaïve la, pas sous liste faculté avec l'école supérieure qui concernait dans l'opération inscription SAYO. Dans un avis publié, Université de l'État d'Haïti a fait qu'on est postulant yo, pas doué étudiant UH la, et puis yo pas capable d'inscrire dans trois facultés pour biplis, et puis frais inscription, c'est 800 gouttes. Détail fait qu'on est inscription yo a fini dans date 26 d'août 2022. Et puis, concours a commencé à partir 1er septembre 2022, cap vini là. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle démarre un forum national sur transformation éducation en Haïti cap durer 3 jours pour préparer participation à Haïti dans sommet sur transformation éducation Nations Unies prévoit organiser dans mois septembre cap vini là. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là Nismi Maniga rappelé pays d'Haïti a vive plusieurs transition dans ce sens, un problème pays a fait face c'est incapacité pays a gagné pour les répondre à besoin jeunesse là qu'a bougé puis vite passer politique publique yo qui voyager en pile à cause manque opportunité. En côté ministre Nismi Maniga qui a porté plus de détails pour nous. Nous sommes à environ 7-8 années de l'échéance 2030 d'Incheon où le monde entier avait fait un grand pari au niveau des objectifs de développement durable 4. Non seulement de garantir l'accès équitable à une éducation de qualité pour les filles, les garçons, mais aussi d'assurer
un apprentissage utile, des compétences de vie réelles tout au long de la vie. Au cours de ces 3 jours d'atelier, je vous invite aussi à porter un regard d'abord sur la transformation de notre société. On ne saurait véritablement prendre la mesure des enjeux si on ne prend pas le temps de nous rappeler qu'Haïti vit multiples transitions, dont une doit résonner pendant ces 3 jours. La transition démographique. La grande majorité des problèmes du jour prend naissance de notre incapacité à répondre aux besoins de cette jeunesse qui bouge plus vite que les politiques publiques, qui ne vit plus majoritairement en milieu rural, qui vit aussi aujourd'hui en grande partie dans les bidonvilles, qui voyage beaucoup faute d'opportunités et qui demande des solutions urgentes. Faute, pardon, de bien saisir ces enjeux de la transformation de la société haïtienne, il nous sera difficile de réaliser les enjeux de la transformation de l'école en Haïti. Évidemment, les pratiques, le vécu des citoyens bougent plus vite que les politiques publiques. Mais il nous faut les rattraper. Il nous faut les comprendre. Il nous faut les modéliser et apporter des solutions concrètes. Les Nations Unies, par intermédiaire du secrétaire général et de nombreuses de ses agences, en consultation avec beaucoup de partenaires et des ministres des pays en développement, ont fait le constat qu'il fallait s'asseoir, faire le point sur cette grave crise d'apprentissage, mais faire aussi le point post-Covid-19, qui risque de faire dérailler cette grande machine qui se voulait atteindre ses objectifs ODD4, comme nous les appelons dans notre jargon. Et faire le point aujourd'hui, c'est nous assurer qu'on prend les bonnes décisions pour rattraper, pour corriger et pour accélérer. Plusieurs axes ont été définis. Ces axes sont prioritaires dans les actions qu'on doit entreprendre en vue d'arriver le plus près possible de ses objectifs. C'était ministre Éducation nationale et formation professionnelle, là, Nesmi Maniga. Souba Pali, Ulrika Richardson, coordonnatrice résidente dans l'Organisation Nations Unies, rappelé dans le pays d'Haïti, il y a un pile élève l'école qui a un retard dans l'apprentissage, ça qui vient aggraver la crise éducation qui était déjà malouk dans le pays. Crise ça frappe les gens qui sont vulnérables, particulièrement la jeunesse haïtienne. En écoutez Ulrika Richardson, capote plus de détails pour nous. Je veux saisir l'occasion de qui est offerte aujourd'hui pour rappeler à nous tous que la principale raison de la convocation de ce sommet de secrétaire général est le constat accablant qui est fait en termes de retard grave en ce dans tous les pays, y compris Haïti, de l'atteinte ODD 4, à savoir l'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité. Avec 9000, la police nationale a fait qu'on ait l'irrivé saisi un fusil M14, un chargeur avec 19 cartouches dans la zone Cité Doudoun, dans la commune Kouadebouquet. D'après une publication institution, la police l'a fait sous compte Twitter yo, ak Facebook yo, agent force l'audio rive saisi zam sa nan men yon bandi ki blessé nan boukante kout zam ak la police. Toutefois bandi sa te réussi chapé pou li. D'après ça la police fait konnen. Chapitre la justice, ministère la justice ak sécurité publique dénoncé sal rele yon campagne ki tavle sal non ministre de facto a Berto Dorsé nan sa ki arrivo ak chargement zam ak katouche la police ak la douane te saisi vendredi 1er juillet 2022 nan Port-de-Paix département nord-ouest pays d'Haïti. Dans une série de publications li fait sur compte Twitter li, Maître Berto Dorsé fait qu'on est liberté la presse la gagné limite li et puis les limites ça yo pas respecté yo mérité sanction d'étant li dénoncé le fait média yo vle prend place la justice dans pays a d'étant li fait qu'on est c'est la justice qui doit faire travail li pour dire toute vérité dans dossier ça côté plusieurs monde qui n'a entourage professionnel ministre tant qu'au conseil li met Robinson Pierre lui en affaire avec la justice dans dossier ça.
Ministère culte qui en charge des affaires l'église dans le pays d'Haïti mandé l'église catholique anglicane épiscopale pays d'Haïti permettre yon employé la France Cole à répondre question bureau affaires finances et économie qui dans direction centrale la police cap travail pour la justice la DCPJ dossier ça concerné yon chargement zam ak bal sous nom l'église catholique anglicane épiscopale pays d'Haïti la douane te découvri mercredi 13 juillet 2022 à Souaf Port-au-Prince. Bureau affaires financières et économiques dans la direction centrale de la police judiciaire de CPJ, Dilapton France Cole, dans la date vendredi 5 d'août à Cap Vinian, Jean directeur central de la police judiciaire de CPJ, a demandé ça. Dans une lettre livrée par le président comité permanent de l'église épiscopale haïtien, directeur général ministère, Evans Souffrant, dit qu'il compte sous collaboration commission anglicane. Syndicat national policier national haïtien Sinapoa lancé un programme à subvention l'école dans l'idée pour aider petites policiers qui victimes dans l'exercice fonction yo aller l'école et puis mandé madame policier sa yo passer ak pièce policier yo dans bureau syndicat dans direction générale PNH là à partir lundi 8 d'août cap venir en écouter porte-parole syndicat national policier haïtien yo Gisnel Morland qui a porté plus de détails pour nous. Dans l'objectif pour nous solidariser avec les familles, les policiers qui sont victimes, soit en exercice fonction ou bien dans l'insécurité générale, nous-mêmes dans Sinapoa décidé de venir en aide à la famille dans l'occasion de rentrer à l'école. Là. C'est peut-être ça nous lancer appel à tous les policiers dans tout le pays, personnel administratif yo, dans la police, là, diaspora, tout le monde qui est dans le secteur privé, là, pour pouvoir coller ensemble avec nous dans un mouvement qui est Chimer l'école, chimer l'espoir. Côté nous viser environ 3000 policiers à 400 personnels administratifs à travers tout le pays. Yon contribution, 1000 gouttes. Alors on a précisé que 1000 gouttes là, c'est minimum que un policier ou un personnel administratif est capable de bailler dans le cadre du programme ça nous lancer. Comme ça, tout un policier qui décide, ça va dépendre de fonds policiers. Il est capable de bailler 2000 gouttes, 3000 gouttes, 10000 gouttes, 25000 gouttes, ça c'est lui-même. Mais il n'est pas capable baisser plus bas que 1000 gouttes là. Et nous comptons sous présence chaque grand policier pour être capable aider nous réaliser programme ça qui sont programme qui visait aider petits policiers qui mourir dans exercice fonction. Nous croyons c'est nous-mêmes policiers qui pour bailler signal là, qui pour voyer message là aller. Et quel que soit grade ou dans la police ou qu'a collaboré avec nous. L'argent a collecté pour le servir pour continuer à aider petits policiers qui victimes dans l'exercice fonction yo côté que timoun sa yo maman yo gen difficulté pour yo voyer l'école. Et n'a rappelé c'est depuis lundi 25 juillet qui s'est passé là tout membre Sinapoa yo qui sous groupe Sinapoa yo nous t'ai commencé avec programme ça by fond pas nous nous-mêmes. Jodi a nous décidé lancer programme ça de façon officielle à travers tout pays a et c'est tout policier en général qui concerné par rapport avec programme ça. Si toutefois yon moun ou capable ou vle décider aider nous soit moun qui dans diaspora ou bien moun qui dans secteur privé qui dans business qui dans l'autre activité qui estime que programme ça Sinapoa lancer a yo capable contribuer, il y a trois numéros que vous êtes capable de faire ça. C'était porte-parole syndicat national policier haïtien yo Sinapoa Gisnel Morland. Dans le chapitre politique, après Nenel Kassi déclaré accord 11 septembre 2021, pas existé encore, une autre branche dans le secteur démocratique et populaire, SDP, qui n'a alliance avec le gouvernement de facto Ariel Henry, fait qu'on est l'irrité Makone avec accord 11 septembre 2021 Ariel Henry. N'a pas appelé ancien sénateur département Niplan, Nenel Kassi, membre secteur démocratique et populaire SDP, qui n'a alliance avec le gouvernement de facto Ariel Henry, t'a déclaré accord 11 septembre 2021, pas existé encore. Nenel Kassi m'a dit Ariel Henry révoquer tout le monde qui t'a représenté SDP dans le gouvernement de facto lien. Autorité militaire yo nan Burkina Faso reconnaître responsabilité yo après la mort civile yo nan les. Yo présenté condoléances yo après frappe militaire qui pas loin frontière avec Togo. D'après un communiqué yo publié, opération yo permet yo stopper plusieurs dizaines de terroristes mais gen innocent qui mouri quand même. État-major a présenté condoléances li à famille proche victime yo.
pays qui a produit pétrole au peuple a annoncé mercredi 3 d'août là, il ouvre vanne pétrole là en matière brute malgré visite Joe Biden là en Arabie Saoudite pour tenter freiner ça. Représentant 13 membres organisation pays exportateur pétrolier avec 10 nan partenaires ont été d'accord pour augmenter production à 1000 barils par jour pour mois septembre là. Côté a comparé li à 432 000 et puis 648 000 barils en plus qui fixé dans mois qui vient avant yo, c'est ça yo annoncé dans un communiqué. Le pape François fait connait li recevoir tant couillon calotte témoignage autochtone canadien yo qui victime violence dans pensionnat l'église catholique abgéré. C'est ça li confié mercredi 3 d'août là. Souverain a été sorti samedi 30 juillet dans un voyage côté li té rencontré représentant Premier Nation métis, li mandé au pardon pour mal la qui commette dans pensionnat sa yo. Gouvernement yo te mette en place à l'époque. Côté pifola dan yo, c'est l'église catholique qui t'a dirigé yo. À travers l'agence américaine pour développement international USAID, gouvernement pays États-Unis fait pays d'Haïti cadeau deux groupes oxygène qui t'a doué utile nan pote réponse nécessaire sous urgence nationale COVID-19 lan pour plus passer 750 000 moun qui nous ont difficile nan pays d'Haïti. Nan examen classe 9e année fondamentale 2022, 79% élèves passé nan département Grand-Anse, 78% passé nan département Nord-Est, plus passé 65% passé nan département NIP d'après résultat ministère éducation nationale et formation professionnelle rendu public lundi 1er d'août 2022. Conseil national télécommunication Conatel fait connait li bay société Yorele SpaceX qui c'est propriété milliardaire américain Elon Musk autorisation pour bay service internet dans pays d'Haïti. Mardi 2 d'août 2022 a fait 17 jours depuis journaliste Alter Press Edner Desim nommé kidnappé exam sans la police pas fait rien pourquoi payo. Organisation citoyenne citoyen pour l'autre Haïti compté 49 monde qui mourit en babal à coup de couteau au soir Kachapika pendant mois juillet 2022 dans pays d'Haïti. Lundi 1er d'août 2022 la police nationale dit l'y arrêté dans mi balai département plateau central Renel Rémi qui gentin non jouette Lélé 30 l'année li suspect qui c'est un membre gang 400 marozoyo cap opéré dans quoi des bouquets. Bureau intégration Nations Unies dans pays d'Haïti lever la voix contre divers calté abus sous droit monde dans violence gang yo tap si maillé entre 24 avril pour arriver 16 mai 2022 dans quoi des bouquets tabac ak cité soleil mouvement Montana qui sorti na accord 30 août 2021 fait konnen yo retiré koyo nan discussion un groupe qui te signé accord 11 septembre 2021 ak Ariel Henry peut-être Ariel Henry ak Ariel yo pas respecté programme discussion yo te d'accord pour faire yo c'est une équipe de tête yon président ki yon premier ministre qui pour mener bac yon transition politique nan pays d'Haïti c'est disons groupe qui t'a signé protocole entente nationale là. Dans le chapitre la santé à travers l'agence américaine pour développement international USAID, gouvernement pays États-Unis fait pays d'Haïti cadeau deux groupes oxygène qui t'a doué utile non pour tes réponses nécessaires sous urgence nationale COVID-19 là pour plus passer 750 000 monde qui dans zone difficile dans pays d'Haïti. Avec soutien urgence COVID-19 là, USAID a créé une solution durable à long terme pour besoin d'un oxygène dans le pays d'Haïti. Chargé d'affaires intérimaire pays États-Unis, Eric Stromayer fait remarquer que gouvernement américain continue de soutenir la bataille contre COVID-19 dans le pays d'Haïti. Lidi pays États-Unis renouvelé engagement ni ak don sa peuple américain pour le capable fortifier écosystème oxygène médical là dans pays d'Haïti. Dans début mois juin, te gen deux générateurs qui capable produit oxygène qui était livré dans l'hôpital Sainte Bienfaisance Pillon dans département nord ak l'hôpital Notre-Dame la Paix dans Jean Rabel dans département nord-ouest pays d'Haïti. USAID a dit l'ap travail dans tête collé ak unité nationale coordination réponse dans coronavirus là dans ministère santé publique ak population MSPP pour capable sélectionner deux l'hôpital une façon pour capable répondre stratégiquement ak besoin haïtien yo k'ap vive dans zone qui plus difficile dans pays. Dans chapitre l'éducation dans examen classe 9e année fondamentale 2022 79% élèves passés dans département Grand-Anse 78% passés dans département Nord-Est plus passé 65% passés dans département NIP d'après résultat ministère éducation nationale et formation professionnelle rendu public lundi 1er d'août 2022. D'après résultat ça yo élèves district Fort Liberté réussi à 72% tout
Wanamet 81%, Trou du Nord 84%, Valier 88%, sur un total 7979 participants. Dans le chapitre télécommunication, Conseil national télécommunication, Konatel fait connaître l'IBAI Société Yorile SpaceX lan, qui c'est propriété milliardaire américain Elon Musk, autorisation pour bail service Internet dans le pays d'Haïti. Dans un communiqué limité d'ailleurs, Konatel fait connaître déjà approuvé initiative SpaceX lan, Starlink pour essais pilotes yo nan payan. Nan chapitre insécurité mardi 2 d'août 2022 a fait 17 jours depuis journaliste Alter Press Edner Desim nan men kidnappé exam sans la police pas fait rien. C'est nan quartier difficile yo côté journaliste Edner Desim te qu'on a ramassé information kidnappé exam kembe journaliste Alter Press là depuis 17 juillet 2022 a. Pendant gang 400 marozou yo kap opéré nan Croix des Bouquets. Bureau intégré Nations Unies nan pays d'Haïti levé la voix contre divers calté abus sous droit moun nan violence gang yo tap simayé entre 24 avril pour rivé 16 mai 2022 a nan Croix des Bouquets tabac ak Cité Soleil. Mouvement Montana qui sorti nan accord 30 août 2021 fait qu'on est yo retiré koyo nan discussion an groupe qui te signé accord 11 septembre 2021 ak Ariel Henry peut-être Ariel Henry ak Ariel yo pas respecté programme discussion yo te d'accord pour faire yo c'est yon équipe de tête yon président ki yon premier ministre qui pour mener bak yon transition politique nan pays d'Haïti c'est disons groupe qui te signé protocole entente nationale là nan chapitre la santé à travers agence américaine pour développement international USAID gouvernement pays États-Unis fait pays d'Haïti cadeau deux groupes oxygène qui t'a doué utile nan pote réponse nécessaire sous urgence nationale COVID-19 lan pour plus passer 750 000 moun qui dans zone difficile nan pays d'Haïti. Ak soutien urgence COVID-19 lan, USAID a créé une solution durable à long terme pour besoin nan oxygène nan pays d'Haïti. Chargé d'affaires intérimaire pays États-Unis, Eric Stromayer fait remarquer gouvernement américain continue soutenir bataille contre COVID-19 dans le pays d'Haïti. Lidi pays États-Unis renouveler engagement ni ak don sa peuple américain pour capable fortifier écosystème oxygène médical là dans le pays d'Haïti. Dans début mois juin, te gen deux générateurs qui capable produire oxygène qui te livré dans l'hôpital Sainte Bienfaisance Pillon dans le département Nord ak l'hôpital Notre-Dame la Paix dans Jean Rabel. Nan département nord-ouest pays d'Haïti, USAID a dit la travail nan tête collé ak unité nationale coordination réponse nan coronavirus lan nan ministère santé publique ak population MSPP pour capable sélectionner deux l'hôpital yon façon pour capable répondre stratégiquement ak besoin haïtien yo k'ap vive nan zone ki pi difficile nan payan. Nan chapitre l'éducation nan examen classe 9e année fondamentale 2022 yo, 79% élèves passés nan département Grand-Est, 78% passés nan département Nord-Est, plus passé 65% passés nan département NIP. D'après résultat ministère éducation nationale ak formation professionnelle rend public lundi 1er d'août 2022 a. D'après résultat sa yo, élèves district Fort Liberté réussi à 72% tout. Wanamet 81%, Trou du Nord 84%, Valier 88%, sur un total 7979 participants. Le chapitre télécommunication, Conseil national télécommunication, Konatel fait connaître l'IBAI Société Yorile SpaceX lan, qui c'est propriété milliardaire américain Elon Musk, autorisation pour bail service Internet dans le pays d'Haïti. Dans un communiqué limité d'ailleurs, Konatel fait connaître déjà approuvé initiative SpaceX lan, Starlink, pou ese pilot yo nan peyen. Position sou kestyon ekzekutif pi se fal la nou pa plezi ne sou di. E nan deba yo, yo ba yon argumen solide. Yo di, ki ton prezident a de facto ou konstitisyonel, yo nan prerogatif ke l gen, se konvoke le pep an se komis dan le kap de l'organizasyon des eleksyon libre, honnête, démocratique. C'est pas président, pas aucune autorité qui a convoqué le peuple là pour aller dans l'élection. Donc, un exécutif monocéphale pas qu'à faire ça. L'autre recommandation, je dis, c'est pour maintenant marcher contre avec différents acteurs qui aujourd'hui ont rendu compte. Mobilisation, ils sont bagailles indispensables là. Pour résoudre ensemble des problèmes, notamment la gouvernance pays. Il faut marcher contre Mounsayo. Et puis, maintenant, faites-vous couler
avec tout l'autre monde. Pour nous reconstituer nation avec elle-même à travers une nouvelle gouvernance. Alors, au pays comme Haïti, nous toujours répété, dans un pays ça fonctionne là, où tu dois jouer une manifestation chaque jour dans le pays. Bien évidemment, manifestation planifiée, organisée, avec des objectifs clairement définis. Peine la discussion avec nos camarades au niveau du consensus politique. Comme Marie-Denis Soutsoulé là, il dit, il faut aller à la négociation. Il dit, ouvre une porte pour négociation. Nous menons bataille pendant 3 à 4 réunions. Finalement, nous d'accord comme démocrates, il faut aller dans la négociation. Tout en sachant, à Tessa ou nous, là, nous habituons avec eux, il y a une possibilité pour avoir des résultats positifs. C'était ancien député Serge Jean-Louis. Souvent parlé, ancien sénateur Youri La Tortue fait qu'on est question insécurité, hein, c'est un banditisme d'État. Il mettait accent sur quantité d'âmes la police dit saisie n'importe paix alors que cargaison est destiné pour une autorité. Youri La Tortue critiquait le fait autorité dans l'État, yo, dit au PACA comment des âmes pour la police alors que yo entré dans comment des âmes pour bandits. Le fait qu'on est l'autre bateau cap entré dans le pays à Axam, un côté ancien sénateur, Youri La Tortue, qui a porté plus de détails pour nous. Dans toute conférence, nous fait, dans peine, et ceci, depuis septembre, là nous passons à quoi, nous avons répété que l'insécurité a ce banditisme d'État. Semaine ça, nous avons, encore une fois, banditisme d'État. Côté que, premièrement, port de paix, ZAM a rentré. Alors, on dit ZAM, il y a port de paix, c'est tiré cela. Son petit bâti. Il y a pile ZAM qui rentre. Et heureusement, il vient qu'un ça. Et malgré aucun bel, pas d'un bel, il y a l'autre ZAM qui rentre. Mais si nous basons, nous, comme moi, on parle de sur rapport. Si nous basons sur rapport de CPJA, le CPJA dit clairement dans le rapport là que ZAM ça était destiné avec autorité. Comment on comprend nos situations comme ça? Toutes les armes, environ 130 000 cartouches, toutes les fusils d'assaut, ça, DCPJ dit non rapport, et pourtant des tergiversations faites, pour rejoindre l'autorité, il a passé à côté. C'est parce que l'État, il est rentré dans la question de commander des armes pour bandits, alors que il n'a pas qu'à commander des armes pour la police. Mais pour qui ça nous-mêmes, dans la peine? Le premier ministre avait dit la sécurité est un détail. Nous avons dit nous ne pouvons pas signer. Parce que s'il dit ça, c'est qu'il a géré la sécurité avec bandit. Ça, c'est un exemple. Question de port de paix. Et oui, avait essayé de faire casser, faire couvrir ça. Pour que vous coulez les bagages là. Et puis l'autre bateau continue à porter ça. Donc, nous avons côté pouvoir situé. Deuxième bagage. Les armes qui ont rentré. Vous avez dit l'église épiscopale. Justement, l'église a dit qu'il a utilisé non. Mais qui est-ce? Côté Zam Zodavale. Il a dit Zam Zodavale Santo, côté Zodavale. Pour qui est-ce que tu es fini? Pour qui est l'impression? Il a essayé encore de couvrir ça. C'était ancien sénateur Youri La Tortue. C'est seulement yon kouken chaîne mobilisation qui capable porter solution en crise cap grâce à le pays d'Haïti. C'est disons mouvement Yorile Matrice Libération qui dit li gen gros doute sous volonté tout bon gouvernement de facto Ariel Henry ta gen pour sortir dans quatre bombes politiques pays d'Haïti depuis plusieurs années. Matrice Libération dénoncé et puis qualifié de démagogie chita parler groupe Montana a fait un groupe accord 11 septembre nan d'étant li fait qu'on ait discussion ça yo pas capable déboucher sur une transition coupé fâché Jean accord 30 d'août là réclamer ça à cause dépendance Ariel Henry à communauté internationale là. Ancien sénateur département Niplan, Nenel Kassi, membre secteur démocratique et populaire SDP, qui n'a alliance avec le gouvernement de facto Ariel Henry, déclaré accord 11 septembre 2021, pas existé encore. Nenel Kassi mandé Ariel Henry révoquer tout le monde qui t'a représenté SDP dans le gouvernement de facto lien. Directeur secteur démocratique et populaire, Nenel Kassi lancé une mise en garde par le ministre de planification Ricard Pierre, même Jean-Claude Mambio, qui fait partie gouvernement de facto Ariel Henry pour retirer Koyo
nan pos yo yé an pi vite possible paske nation an pa kapab anko. An koute ansyen senateur Nenel Kassi, membre directoire secteur démocratique ak populaire, ka pote plis detay pou nou. Ozi a li important pou nou di ke pèp la pa ka viv. Paske nou desi an kwa pou pèp la tira lon souf, an me se le kontrèr. Pèp la pa ka viv, ensekirite a ta e bandal sou tout peyi a. Se kom si pat gen gouvenman an da peyi a. Jodi an, kote nap pale la, an 2021, avan Jovenel, goud la, li te 90 goud pou ndo la. E jodi an, ou bezwe 145 goud pou ndo la. Sa vle di sityasyon vin pi grav. Moun ki fè ekonomi, yap da kwa avèm ke jodi a, inflasyon al pa 14% anko. Li 29%. Sa vle di ki sa? Sa vle di la vi avin piche. Pendan se tan, pouvoi d'achat moun yo ap diminye. Kop pa rentre nan men moun yo. Pendan se tan, dola ap augmente, le yo voye kop pou moun yo an dan peyi a, yo bay yon an goud. L'Etat sa kontinye kenbe dola nan men. Jodi a, nou menm nap konstate e ke kriz ki an dan peyi a pa gen yon ki ka rezout. Kriz politik la pa ka rezout paske akte yo pa mete yo a la ote de sityasyon. Kriz gaz, jodi a, tout koto pase, pe pa isi an galon jod nan men. E tout mande va fet pou augmente pri gaz la, menm di sa nou pap dakol. Nou pap dakol paske pe pa isi pa kapote fa do sa nan sityasyon ki yo. Si gouvernement ka fon bagay pou pep sa, se subvensyone Gaza, pasi se sel sal ka joun. Jodi a pa gen ken program de investisman nan peyi a. Pa gen ken travay ka fet nan peyi a. Pa gen kreasyon d'emploi ka fet nan peyi a. Se la mize. Se de depans inutil ka fet. Ame nou pap d'akor ke Gaza augmente ki kote ap estomak. Len gade tout bagay sa yo, nou di nou devle yon akor pou chanjman. Nou devlon akor pou pèmèt ke pep ayisyen ralon souf. Ame se le kontrè ke nou e, nou fon refleksyon. Nou di fon tande popilasyon. E se nan san sa, le map tande Semak, Latibonit, Akayen, le map tande Mibale, Woplato, le map tande Nip, map tande Okay, map tande Okap, map tande Port-au-Prince, se ton sel parol. Fok nou kite akor sa, paske akor sa pa pote chanjman. Mwen men, kom moun ki toujou pre pou mache kote a kote avèk pep ayisyen, pou tan dekri pep ayisyen, pou pote revendikasyon lansan mavel, mwen di fòm tan de sa. Mwen tan del, mwen di ke akò sa, li pa pote san pi vle, san dap chèche. Nou di nou pap suiv lot moun ki kite yo non, men ap suiv vwa pep ayisyen. Paske nou konen gen pil moun ki kite akwa sa. Gen Kadoa, goup palmante. Ki kite akwa, ansyen palmante. Gen Inifos. Gen Rassembleman. Genyen, un goup signate, environ 100 signate ki kite akwa. Jodi a Ariel pou kont li avek kek tizami. E se sa li. Ariel pou kont li avek kek tizami. E nou di nou men, avek fos pa nou, avek determinasyon pa nou, avek angajman pa nou, nou pa plage pepla nan moun. Lè m te di akwa, pep la te rentre. Jodi a m di akwa krasé. E jodi a mwen mèm, kom dirijan, mwen mèm kom dirijan SDP, kom dirijan SDP, ansyen senatè de la republi, akompanyen de kadyo, de militan yo, e de konsultasyon ke m fè sou tout peyi ya, avèk militan yo, nou di nou kite akwa. Kèsyon ki konsène André Michel e Majou, kamarad mwen yo, ya ple konan. Nou kèsyon sa, m pa minis. Planifikasyon. Mpa minis planifikasyon. Desyon. Kite mwen pon nou. Kite mwen pon nou. SDP kite akwa kadu. E Ariel dwe renvoye tout moun ki nan gouvernement lan ou nan de SDP. Sete ansyen senateur Nenel Kassi, membre direktwa sekte demokratik ak populèr. Nan yon let li voye bay divers responsab pati politik MTV Haiti, biznisman Dr. Reginald Boulos di li ral ekol nan pati politik mouvman pou transforme ak bay peyi d'Haiti vale MTV Haiti. Gen mamba pati MTV Haiti an ki voye jete demisyon sa. Edna Jean ki se gardien pati politik mouvman pou transformasyon
et puis bay pays d'Haïti Valéan, MTV Haïti, voye jete démission docteur Reginald Boulos-Lan nan poste président parti sa. Et d'un jan fè konnen li opposé ak démission sa nan yon lèt ki pote date 2 daout 2021. Natif natal pays d'Haïti yo se moun nan rejon an ki plis fè demande pou jwenn estati refugié nan pays Meksik d'apre komisyon Meksikien pou ede refugié yo koma nan lang espanyol. Antan madi 2 daout pou rive madi 26 daout 2022, Université l'État d'Haïti a recevoir inscription pour année universitaire 2022-2023 pour toute étudiante et étudiant qui voulait entrer dans la faculté avec l'école supérieure LIO, faculté droit Gonaïve là, pas sous liste faculté avec l'école supérieure qui concernait dans l'opération inscription SAIO. Mercredi 3 d'août 2022 a fait 18 jours depuis journaliste Alter Press Edner Dessim dans mes ravisseurs qui était d'appui en pli depuis 17 juillet passé à Nandelma. Mercredi 3 d'août 2022 a bandi à exam la gè 5 employé GESCO yo te kidnappé mardi 2 d'août 2022 à l'air yo tap kite travay yo. San pa di ki desisyon li pran, la polis nasyonal di tout responsabli yo te chita pale lundi 1er daout 2022 a, sou klima la tere gen exam ap si maye sou teritwa nasyonal la. Madi 2 daout 2022 a, la polis nasyonal fe konen li rive sezi yon fizi M14 yon chaje ak 19 katouche nan zona Site Doudoun nan komune Kwa de Bouke. Minister Justice ak Sekurite Publik denonse salrele yon kampany ki tav le sal non minis de facto Toa, Berto Dorse, Nansa ki arrivoa ak chajman zam ak katouche la polis ak la douane te sezi vendredi 1er juye 2022 nan Potpe, Depatman Nord-Ouest, peyi d'Haïti. Minister Kilt ki an chaje zafè l'Eglise yo nan peyi d'Haïti mande l'Eglise Katolik Anglikan Episkopal peyi d'Haïti pèmèt yon employé l France Kol al repond kesyon bureau zafè finans ak ekonomi ki nan direksyon sentral la polis kap travay pou la jistis la DCPJ. Dosye sa konsene yon chajman zamak bal sou non l'Eglise Katolik Anglikan Episkopal peyi d'Haïti la douane te dekouvri mèkwedi 13 juye 2022 sou waf Port-au-Prince-lan. Apre Nenel Kassi deklare akor 11 septembre 2021 pa eksiste ankor yon lot branche nan sekte demokratik ak populer SDP ki nan aliansay ak gouvenman Ariel Henryan fè konen li rete makone ak akor 11 septembre 2021 Ariel Henryan. A travè Ajans Ameriken pou Devlopman Internasyonal USAID Gouvernement pays États-Unis fait pays d'Haïti cadeau deux groupes oxygène qui t'a doué utile nan pour tes réponses nécessaires sous urgence nationale COVID-19 pour plus passer 750 000 moun qui nous ont difficile nan pays d'Haïti. Nan examen classe 9e année fondamentale 2022, 79% élèves passés nan département Grand-Est, 78% passés nan département Nord-Est, plus passer 65% passés nan département NIP d'après résultat ministère éducation nationale ak formation professionnelle. Rende publik lundi 1er daout 2022. Conseil National Télécommunication Konatel fè konen li bay a sosyete yorele SpaceX ki se propriété milliardè Amerikyan Elon Musk otorizasyon pou bay servis internet nan peyi d'Haïti. Madi 2 daout 2022 a fè 17 jou depi jounalist Alter Press Edner Dessim nan men kidnapè aksam san la polis pa fè anyen pou kwa pe yo. Organizasyon Citoyen ak Citoyen pou yon lot Haïti konte 49 moun ki mouri yon babal ak kout kouto oswa kachapika pandan mwa juye 2022 nan peyi d'Haïti. Lundi 1er daout 2022 la polis nasyonal di li arete nan mi balè debatman plato sentral Renel Remy ki gen tin non jwet lele 30 l'anè li sispek ki se yon mamb gang 400 marouzou yo kap opere nan Kwa de Bouke. Bureau Integrenasyon Zuni nan peyi d'Haïti leve la vwa kont divers kalte abu sou doa moun nan violans gang yo tap si maye ant 24 avril pou rive 16 mai 2022 nan Kwa de Bouke taba ak Site Soleil. Mouvement Montana ki soti nan akor 30 daout 2021 fè konen yon retire koyo nan diskisyon ak goup ki te siyen akor 11 septembre 2021 ak Ariel Henryan. Poutet Ariel Henryan ak Aliel yo pa respekte program diskisyon yo te dako pou fè yo.